I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You're a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Je suis Nostradamus et me voici en compagnie de mon ami de toujours, Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D. Comment vas-tu, mon John? Yes, ça va super bien. Toujours un plaisir de faire cette émission avec toi. Oui, et moi donc. Et puis, aujourd'hui, on a un invité spécial. Dans le domaine des arts martiaux. Oui, exactement. Fait que c'est le fun. Puis en plus, ben, c'est une fille. Fait que c'est vraiment nice. Puis on a appris récemment une super de belle nouvelle. Dans le fond, elle est enceinte de 3 mois. Oui, bien sûr. Et puis, elle s'en allait signer. Elle s'en allait faire son premier combat à la UFC. Et puis, j'ai nommé Corinne Laframboise. Comment ça va, Corinne? Bonjour, Corinne. Allô, les gars, ça va super bien. Et vous de même? Ben oui, ça va super bien. Récemment, dans le fond, on a appris que tu étais enceinte de 3 mois d'un petit bébé. C'est donc bien cool. Félicitations. Belle introduction. Oui, c'est vraiment cool. Après coup, on a eu pas mal de surprises, je dirais. C'était assez inattendu, merci. Ouais. Parce que, comme tu le disais, moi, je m'en allais faire le combat de ma vie pour avoir le contrat à l'UFC, au Dana White Contender. Mais ouais. changement à propos. Ah, c'est cool, là. Ben, là, c'est quoi le next step pour Corinne? Là, j'imagine que dans le fond, t'es hâte un peu, genre, pendant... Je suis hâte assez, je te le dis. Ouais. Ben, minimum 9 mois, ça, c'est sûr. J'étais supposée d'avoir le combat pour Dana White Contender qui donne un contrat de 2 ans ou 4 combats à l'UFC une fois qu'on gagne ce contrat-là. C'était supposé d'arriver le 5 septembre, 5 septembre dernier. Ouais, mais une semaine avant chaque combat, on a une prise de sang à passer pour voir si, justement, pour le baby test qu'on appelle. Fait qu'on a une prise de sang 10 jours avant pour passer ça, voir si t'es enceinte ou si non. Fait que ça a été ma surprise, ça, le mercredi avant de partir, d'apprendre que j'étais enceinte depuis 3 mois et demi. Bientôt 4, là. Et félicitations. Est-ce que vous connaissez le sexe du bébé? J'imagine qu'il est encore trop tôt, j'imagine. Non, il n'est pas trop tôt, étant donné que ça va faire 4 mois. Là, on a passé une panoplie de tests, prise de sang, échographie, là. Alors, ce sera une mini-moi, une petite fille. Ah, c'est cool, félicitations. Ah, c'est donc bien cool. Oui. Prenons tout ce qui est positif, tu sais. Tout a l'air d'être bien placé. C'est-tu correct que ça se passe bien? Tout se passe bien. Là, ils nous font passer plein de tests pour savoir les maladies, problèmes cardiaques. C'est normal. Ah, c'est cool. Je suis content pour toi, Colin. C'est le fun. C'est une nouvelle aventure qui commence. Moi, j'en ai 2. J'ai un petit bonhomme de 21 mois, qui s'appelle Édouard, puis j'ai une grande fille de 7 ans, qui s'appelle Lauriane, et puis il y a un grand écart d'âge, fait que là, c'est du sport dans la maison. Puis d'ailleurs, tu sais, prenons le positif, je sais pas si tu es au courant, mais en ce moment, il se passe beaucoup de choses, UFC, TKO, WWE, ils se sont tous fusionnés à partir d'aujourd'hui, ce matin, tout le monde a été acheté, puis tout ça, fait que tu sais, essayons de voir le positif parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de brasses camarades de où est-ce qu'ils vont placer les pions puis tout ça. Fait que tu sais, des fois, on se dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ouais, clairement. Je suis certain qu'il va. Tu vas être placé au bon endroit, au bon moment. J'en suis certain, j'en suis convaincu. Ben, je te confirme qu'à date, ça le fait pas mal, là. Il n'y a rien qui arrive pour rien parce que. Avec ce camp d'entraînement-là, mettons, faire une histoire courte,
je me suis blessée à une jambe. Puis là, ben, fouille-moi pourquoi. Mais là, je me disais, pourquoi je me foule la cheville? Je ne peux plus marcher pendant le début de camp d'entraînement quand ça va être le fight de ma vie qu'il me faut là. Pour... Mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça a fait en sorte que j'ai pas eu d'impact. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui avait d'autres projets pour moi que le plan que je voyais là. Fait que, ça, on fait le parallèle. Mais, tu sais, si on parlait du UFC puis du WWE, puis ça amène d'autres avenues, tu sais. Fait que même si on a un plan pour aller à quelque côté, d'un côté ou de l'autre, ben, il y a d'autres avenues qui sont possibles. Puis, je pense que le côté marketing, autant pour le UFC que WWE, c'est intéressant là-dessus. Fait que, who knows? Oui, Corinne, on parlait de ton enfance. Quel genre de personne étais-tu dans ta jeunesse? Hey, ça, là, ça fait partie des bonnes questions que je ne me fais pas poser souvent. Okay. Bravo, les gars. Merci. Fait, plaisir. Comment que j'étais pendant mon enfance? Moi, je déplaçais de l'air, mais pas possible. Ah, okay. Des bons problèmes de comportement, mais de l'autre côté, j'étais super compétitive. Fait que à l'école, j'étais tout le temps dans les premières ou deuxièmes de classe, mais j'étais tout le temps des hautes notes. Fait que la direction avait de la misère à dire quelque chose, sauf que problème de comportement, j'avais la misère avec l'autorité. Fait que je me ramassais souvent chez le bureau, au bureau du directeur. ça ressemblait à ça. J'ai toujours été super active. Ouais. Fait que, mais compétitive, active. J'imagine, vu que quand tu étais jeune, j'imagine que tu n'as pas juste pratiqué les sports de combat, j'imagine que tu as fait d'autres sports. Quel genre de sport as-tu pratiqué quand tu étais plus jeune? C'était la gymnastique, moi. Ma mère, elle voulait me tenir occupée. Elle avait essayé à ce que je fasse du ballet là, avec les petits chaussons. Puis, Puis je détestais ça. J'avais découpé les chaussons parce que je ne voulais plus y aller. Fait que là, on va trouver quelque chose de plus stimulant. Puis, c'est là que j'ai commencé à faire la gymnastique. Ça, j'ai accroché. Cool. J'étais de 9h à 12h semaine pour c'est dans le sport. Fait que j'ai fait ça de 5 à 19 ans. À 18-19 ans, à peu près. Fait que ça te vidait de ton énergie. Fait que tu devais être plus calme un peu. Ouais. Clairement, là, canaliser l'énergie, c'était dans le sport que ça se passait chez nous. Oui, quelle est ta routine de préparation avant un match important dans les hormones, bien sûr? Le camp d'entraînement, par exemple? Le camp d'entraînement ou la veille d'un match, mettons, ça peut être... Ben, la veille d'un match, c'est pas grand-chose. Si on regarde ça, la veille d'un match, c'est la pesée. Puis là, après, le party pogné parce que tu peux manger. vraiment le fun. Oui, c'est ça, tu peux prendre des carbs un peu. Oui, mais on a passé la nuit déshydraté ou bien, tu sais, du moins, on est déshydraté un peu. Fait que il n'y a pas grand entraînement qui se passe. Peut-être plus un jogging pour se remettre dedans, faire des pattes vraiment légers, mais... Le camp d'entraînement en tant que tel, celui qui est un mois et demi à deux mois avant le fight, on touche à tout. Fait qu'on, t'sais, moi, je mets de la boxe, du jiu-jitsu, ça, c'est mon sport de prédilection, mon dada. Jiu-jitsu brésilien, de la lutte, on touche au conditionnement aussi. Okay. Fait que les thérapeutes à travers ça, là, mais c'est assez occupé. C'est un 2 à 3 entraînements par jour. Puis, c'est un 20-25 heures d'entraînement par semaine, à peu près, pendant un mois et demi, deux mois. C'est fou, pareil. Puis, quand tu as commencé, dans le fond, à faire du UFC, t'avais-tu des mentors ou une figure d'inspiration qui a fait en sorte que, tu sais, tu t'es dit, ben, hey, moi, je veux m'en aller là-dedans? C'est une idole de jeunesse, mettons, là? Quand j'ai commencé à faire du MMA, j'ai commencé sur le tard, à 24 ans, j'ai commencé le jiu-jitsu. Okay. C'est juste en 2017 que j'ai commencé les combats en MMA, les combats en arts martiaux mixtes. Fait que j'ai jamais été groupie ou fan d'une personne en tant que telle, mais en côtoyant du monde, mettons, Pat Côté, Charles Jourdain, Georges Saint-Pierre, en voyant du monde qui mettent l'effort dans leur domaine, dans leur discipline, puis qu'ils se dépassent tout le temps, puis que ça, c'est motivant pour moi, je trouve. Plus qu'un idole en particulier d'être groupé ou d'admirer une personne, moi, c'est le monde qui se dépasse, ça m'épate bien gros. Ça me motive bien gros. Puis corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, quand tu te lances dans les arts martiaux mixtes, tu dois un peu comme travailler d'autres disciplines connexes.
sais, pour que tu sois comme un athlète un peu complet. Tu sais, tu dois pas juste comme te focusser sur bon, ok, je fais de l'entraînement de MMA. Tu sais, tu dois comme travailler la souplesse, travailler tout ce qui est autour pour faire en sorte que quand tu arrives dans un combat, ben, tu n'as pas le choix, tu as besoin d'avoir de la souplesse des articulations. Vous vous pognez tellement fort qu'à un moment donné, si tu n'as pas de souplesse-là, les pantoufles vont lâcher, comme on dit. Je ne sais pas si ça marche pour les autres, mais en tout cas, dans mon cas, ça fonctionne. On touche un peu à tout de façon séparée. T'sais, je fais de la boxe avec des boxeurs qui font de la boxe professionnelle. Je fais mon jiu-jitsu avec ceux qui compétitionnent à haut niveau en jiu-jitsu brésilien. La lutte avec les filles qui s'en vont pour les Olympiques en lutte. Fait que tout est spécifique, tout est séparé, tu sais. Le conditionnement, ça, c'est à part avec des fois, parfois monsieur, madame, tout le monde. Là, ça fait du bien de sortir de la routine du focus à 110% dans le sport. Fait que c'est de cette façon-là. Puis, je pense qu'avec le jiu, au niveau flexibilité, jiu-jitsu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout ce qui est soumission, fait qu'étranglement, ouais, clé de bras, toute articulation peut plier jusqu'à un certain point de l'autre côté, jusqu'à ce que l'adversaire abandonne. Fait que, tu sais, là, tes extensions, tes articulations. Niveau souplesse, puis, tu sais, la lutte, c'est le cardio non-stop. 30 secondes in, 10 secondes out. 30 secondes in, 10 secondes out. Fait que même chose pour les intervalles en boxe. Fait que je pense que je vais chercher un peu de tout dans chaque discipline. Mais si tu me demandes si je fais du stretching, des étirements, je n'en fais pas. Du yoga aussi, ça devrait être bon, mais on le fait pas. Mais je le fais pas. Fait que, on a tellement de disciplines à aller chercher. Ouais, comme c'est ça. De boxe, du jiu-jitsu, lutte, kickboxing, là là là, que mes priorités à un moment donné. Ouais, c'est ça, parce que t'as 24 heures dans une journée. Là. Ouais, donné, exact. J'espère que tu vas arranger ça un moment donné. Oui, Corinne, on aimerait connaître ton ou tes opinions sur les combattants ou combattantes MMA, UFC, qui essaient dans d'autres disciplines, comme par exemple, mettons, Ronda Rousey qui a fait chemin à la WWE, par exemple. Ah, ben, je te dis, un gros tant mieux pour elle, tu sais, ça doit être, et de un, pas mal plus payant que qu'est-ce qu'elle faisait avant, c'est sûr et certain. J'imagine. Puis, tu sais, ça reste que c'est une athlète quand même, tu sais, puis au WWE, corrige-moi si je me trompe, mais c'est des athlètes quand même qui sont là. Là même ben si oui, le coup de poing, il n'est pas réel, puis il t'ouvrira pas le fond rond, tu sais, en théorie. Là, ouais. Ça reste que tant mieux si elle peut s'en aller vers cette direction-là, puis si elle aime ça aussi, tu sais. Je fais le comparatif. Il y en a qui se dirigent vers les cascades dans les films. Ouais. Ça, je touche à ça un petit peu aussi. Cool. Encore très débutant, là. Sauf que ça reste une autre avenue. Puis de par le sport, tu sais, le MMA qui fait en sorte que tu peux découler vers cette avenue-là ou bien la lutte, qui est quand même assez intéressant. Moi, je vois ça comme plus comme un spectacle, mais je pense que pour les fanatiques, on peut s'attiner assez longtemps sur la réalité du spectacle. Exact. Mais... Puis concernant, tu sais, les avenues, si, exemple, dans le futur, il arriverait des opportunités comme, exemple, là, je sais qu'il y a une nouvelle promotion là, qui a fait jour là, depuis quelques mois, peut-être années, la PFL ou la BKF, la Beer and Knuckles. Tu penses-tu que ce serait quelque chose que tu pourrais considérer dans le futur? Ou tu sais, est-ce que. Ben, je me dis, pour la PFL, c'est sûr et certain que l'objectif est intéressant, hein, gagner $1 million pour le tournoi. Ça, bon, pourquoi pas? On se ferme pas de porte. Ouais. Pour le Beer and Knuckles, j'avais déjà signé avec eux autres. Ça doit faire 2 ans. J'avais signé un contrat de Bare Knuckle. Je dis ça à peu près 2 ans. Puis la première adversaire, elle avait cancellé. Fait que là, il en avait trouvé un autre. Là, la deuxième, elle avait cancellé. Là, il était en processus pour en trouver un autre. Puis je sais qu'on était 3 jours avant de prendre l'avion pour s'en aller. Je me rappelle plus aux États-Unis. Mais là, je m'étais dit, j'ai pas le goût de commencer un nouveau sport. En connaissant pas mon adversaire à 3 jours d'avance, puis Bare Knuckle, ben ça t'ouvre la face.
Oui, tout à fait. Ouais, disons que, chers aux auditeurs, puis pour toi, je ne sais pas si tu es au courant, Ben, mais c'est carrément comme du mixed martial arts. Ah oui, Jade avait en parlé. Oui, c'est Jade Masson-Wong avait en parlé. On a eu Jade Masson-Wong en entrevue. Ah oui, il tourne carrément. Là-bas, c'est ça, c'est, ils n'ont pas de protection. C'est des coups, c'est direct. Dès que tu frappes, ça l'ouvre. Là, c'est juste le tape en sorte des gants qu'ils mettent en fond. C'est du combat, c'est de la boxe à point nu, puis tu as le droit de faire ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Plus dans ton domaine pour en parler, mais tu n'as pas le jiu-jitsu, tu n'as pas de lutte. Vraiment, ou c'est de la boxe à point nu. Ça coûte point en face. Moi, étant donné que mon dada, c'est le jiu-jitsu et la lutte, je pars avec un désavantage, puis ça m'intéresse plus ou moins, je dirais, non, ça m'intéresse pas. Si je focus, première, une étape à la fois, moi, je veux mon bébé en santé, puis regarder comment ça va après important. Ça. Je te comprends. Mais je me ferme pas les portes non plus à dire... le fait d'avoir un enfant, si je prends ma retraite ou pas, non. Fait, mais j'irais plus dans les arts martiaux ou quelques moins bare knuckle. Vas-y. Oui, bien sûr. Avec les deux promotions qu'on a nommées, qu'on vient juste de nommer, que ce soit la PFL ou la BKF, est-ce que tu penses que ces deux promotions-là, ils peuvent donner plus d'opportunités à des athlètes, peu importe l'athlète, là, que ce soit débutant ou... Ben là, le fait qu'il y en ait de plus en plus, Ben, pourquoi pas? Si, s'il y en a plus d'opportunités à des athlètes, ben, plus d'opportunités à des athlètes. Plus d'ouverture, mettons. C'est deux fédérations qui offrent de la visibilité. Fait que je me dis, bon, ceux qui veulent focusser juste sa boxe, puis sa boxe à point nu, let's go. On a Bare Knuckle qui a fait une plateforme vraiment professionnelle, là, si on veut. Puis sinon, ben, pour le PFL, PFL, UFC, là, il y a Bellator aussi, dans ces gros types d'organisations-là, ça, c'est quand même une autre visibilité aussi qui est offerte, là. C'est pour les combattants en arts martiaux mixtes, ça fait que ça, c'est intéressant aussi. Parce que dans le cas de BKF, c'est plus d'ouverture, si tu vois ce que je veux dire. Ah, bon jeu de mots. Oh, exactement. On aimerait ça parler un peu de ta carrière. Ça a été quoi, non? L'un des plus beaux moments de ta carrière jusqu'à présent? Bien, c'est sûr et certain que la dernière fois d'avoir une ceinture pour représenter, ben, tu sais, d'avoir la ceinture et d'être championne des 125 livres pour l'organisation UAE Warriors, organisation dans laquelle je travaillais depuis les deux dernières années. Le feeling est assez impressionnant, merci, mais à chaque fois que c'est difficile d'expliquer l'adrénaline que ça apporte à chaque fois que tu as une victoire. J'imagine. Que tu as travaillé, on en met là, du temps, 20 heures, 20-25 heures d'entraînement par semaine pendant deux mois intensifs, si on veut, avant le fight, mais tu n'arrêtes pas ça entre les combats, là, tu continues à en mettre. Fait que pour le 3 fois 5 minutes ou des fois 1 fois 5 minutes, mais les 3 rounds de 5 minutes, l'adrénaline que ça apporte quand tu as la victoire par rapport à ça, quand le juge lève ta main, ça c'est incroyable comme. Comme feeling. Fait que je dirais que la ceinture, elle approche pas mal de chaque victoire que tu as à la fin de d'un fight. Puis tu sais, c'est vraiment comme le sentiment du devoir accompli. Oui. Tu as tellement mis d'énergie là-dedans que tu te dis, bon, ton objectif, c'est de gagner, mais là, tu sais, c'est la cerise sur le sundae, c'est moi qui représente la promotion, l'organisation, c'est moi qui va défendre la promotion dans ma catégorie de poids, c'est un honneur, là, tu sais, c'est vraiment comme un candy qui fait que crème, ça n'a pas de mots, là, pour le décrire, là, tu sais, c'est génial. Et puis, quel moment pour toi ça a été le plus difficile de ta carrière? Le moment le plus difficile, ben, si je fais le parallèle avec l'autre côté, à chaque fois que tu as une défaite, c'est crève-cœur parce que tu as aussi mis le 20-25 heures d'entraînement par semaine, tu as aussi fait tous les efforts, tous les compromis. Puis moi, je me mens pas à moi-même. Là, quand je fais mes devoirs, j'y vais au maximum. Puis c'est fait à 110%. Fait que quand que tu réussis pas à atteindre ton objectif, ça rentre dedans. Et dans l'orgueil, OK, mais tu sais, la déception qui vient avec, là, ça, c'est des feelings que. Ils sont pas vraiment pas intéressants. C'est sûr, mais en même temps,
ça te permet aussi de prendre un pas de recul, puis de comme prendre de l'expérience, puis de te dire, bon, y a-tu des trucs durant ce combat-là que, tu sais, faudrait que je corrige dans le futur, tout ça. Fait que, tu sais, ça te permet, tu sais, de... Sans mettre en question. Upscaler tes skills, puis, tu sais, de redevenir encore plus fort, tu sais. Ça, c'est la phrase logique à dire après. Ouais, mais, c'est ça. Mais bien raison, là, tu sais, c'est... Suite à ça, c'est, tu décides, est-ce que tu te relèves ou est-ce que tu dis que c'est fini, final bâton, ben... Mm-hmm. Tu te relèves d'habitude, tu checks c'est quoi tes erreurs, qu'est-ce que tu peux faire de plus, comment tu peux t'améliorer, puis tu y vas. Ou ben donc, t'arrêtes. Comme Rocky dans Rocky II, exactement. Ah. quand il part contre Club Orlang, Apollo, il dit là, tu dois t'en remettre maintenant, sinon tu vas le regretter toute ta vie. Ouais. C'est un peu ça, là. Exactement, exactement. Pareil comme Rocky. On se rend mal avec la défaite, là, c'est ça, là, dans le fond. Hey, ça fait déjà 20 minutes, ça va super vite. En terminant, pour terminer, comme à l'habitude, le fond, Benoît, a.k.a. Nostradaben, il prédit l'avenir de nos invités. Wow! Je prédis l'avenir des invités, premièrement, je te remercie beaucoup, Corinne, ça a été une expérience de te connaître davantage. Ben merci à vous deux. Puis comme je vous dis, les questions, ça peut devenir redondant avec le temps, mais questions intéressantes et c'est bien le fun. C'est bien apprécié. Bon, on va parler de ce qu'on a parlé au début. Tu es enceinte. Ben, en tout cas, moi, je te prédis personnellement un bébé heureux et en santé, puis tu vas faire une excellente mère. Ah, c'est beau ça, Nostradaben. Ben, ça fait plaisir. Mais merci beaucoup. Super. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale avec notre invité. Corinne Laframboise, merci du fond du cœur d'avoir pris du temps pour être avec nous. C'était un plaisir. Un plaisir, les gars. À la prochaine. Bye bye. Merci.